Hello tout le monde. Ben, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Voilà la saison des otaries, donc du club de baignade dans l'eau froide à l'année, va redémarrer très bientôt quand les températures seront un peu plus fraîches. Pour l'instant, c'est vrai que le lac ici où je suis, c'est environ 22 degrés, donc c'est pas un défi, hein, n'est-ce pas? C'est pas un défi, mais bon, faut bien commencer. Et voilà, vous voyez, Mao est super content d'y aller. Hop, un Mao. Voilà, super content d'y aller. Alors, ce lac qui descend assez profond, donc je vais pas m'aventurer trop loin avec ma caméra. Hop, et voilà. Donc, tout ça pour vous dire. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Otary Club? On se baigne à l'année, on apprivoise le froid au lieu de le subir, on apprend à implémenter toutes les expériences qu'on apprend avec le froid dans tous les domaines de sa vie. C'est juste incroyable. Voilà, moi c'est ma cinquième année là maintenant. Je démarre ma cinquième année. J'ai commencé il y a 5 ans, un 19 septembre. Et quand j'ai commencé, c'est parce que j'étais hyper frileuse et que je voulais absolument apprendre à gérer, on va dire, mon froid. Pas, je voulais pas apprendre à être moins frileuse, je voulais apprendre à gérer ma frilosité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réellement appris alors à la gérer, mais en plus, j'ai appris des tas d'autres choses qui sont juste incroyables et que j'ai pu implémenter dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Et franchement, je vous invite à vivre cette expérience absolument fabuleuse de la baignade dans l'eau froide. Alors, quelquefois, avec mon club ici, c'est vrai que. Voilà, il y a une otarie qui est en train d'arriver. On va dans l'eau jusqu'à 1,8 degré. On est allé, on a fait des trous dans la glace, on a percé la glace au maillet, on a fait des trous, on est allé sous la glace, etc. Franchement, c'est une super aventure. Ça apprend à prendre la vie de façon zen. Plus on va dans l'eau froide en respirant et en étant zen, et moins on sent le froid, plus on l'apprivoise. Et c'est comme ça dans la vie, n'est-ce pas? Quand il y a une situation qui nous stresse, eh ben, il vaut mieux y aller en respirant et de façon zen plutôt que en étant déjà super stressé. Donc voilà, comment apprivoiser le froid au lieu de le subir et comment apprivoiser en général les difficultés de la vie au lieu de les subir. C'est tout ça qu'on apprend grâce à l'eau froide. Et ben, j'espère que vous allez nous rejoindre. En tout cas, bienvenue dans mon club, l'Otary Club. Je vous mettrai le lien Facebook ou si vous êtes dans ma région, Haute-Savoie, vous pouvez aussi faire partie de notre groupe WhatsApp pour qu'on fasse des baignades ensemble. Ben, écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller nager un peu, profiter de cette eau à super température, encore estivale. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!